Je suis Mohamed Béaboghi, Premier ministre du gouvernement de transition de la République de Guinée. C'est avec un immense honneur et une fierté que je prends mes fonctions pour servir mon pays à un moment très spécial de son histoire. La Guinée, depuis 63 ans, n'a pas réussi à mettre les bases pour un développement juste, équitable en faveur de ces populations. Ceci a conduit à une succession de crises qui ont finalement amené l'armée à prendre le pouvoir sous la conduite du colonel Mamadi Doumbouya. Conformément à la charte qui a été promulguée et à son discours au programme du 2 octobre, la mission est claire, créer les conditions au cours de cette transition pour permettre aux Guinéens, dans un contexte de dialogue, de fraternité, de concertation large, de construire la Guinée de demain. C'est donc un honneur pour moi de conduire le gouvernement qui permettra de mettre en œuvre ce processus sans difficulté. Un processus qui va conduire à la mise en place d'un gouvernement au service des populations de la Guinée. D'une part, d'un environnement juridique juste et transparent. Et enfin, mettre en place les ressources nécessaires pour que le volet politique de la transition soit conduit sans difficulté. Ce volet politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, consiste à amener tous les Guinéens à se mettre autour de la table dans le contexte du CNT pour définir clairement ce que doit être la Guinée de demain, une Guinée où tous les Guinéens se retrouveront.